L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a ordonné jeudi à ses forces d'avancer en direction de la capitale Tripoli, siège du gouvernement d'Union nationale, GNA. L'armée nationale libyenne a affirmé que ses forces étaient entrées sans combattre dans une ville située à 100 km au sud de Tripoli. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au calme lors d'une conférence de presse à Tripoli. Lire aussi, le système des Nations Unies mobilisé contre Ebola en RDC. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les Émirats Arabes Unis ont demandé jeudi à toutes les parties libyennes de faire baisser immédiatement les tensions dans le pays. Les gouvernements de ces pays qui craignent un nouvel embrasement militaire estiment qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit libyen. Pendant ce temps, la Russie a exprimé son soutien à l'homme fort libyen Khalifa Haftar, dont l'armée nationale libyenne progresserait vers Tripoli.